Salut YouTube Orphan, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto sur comment avoir une application ou un jeu payant mais qui va se transformer en gratuit. Si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à regarder. Bon visionnage. Donc les amis, on se retrouve sur votre Android. J'avais oublié de préciser que c'était seulement sur Android. Peut-être sur App Store ou iOS, etc. Moi, je connais la technique sur Android. Donc, tout d'abord, vous allez sur Internet. Vous tapez sur Google ou sur votre navigateur de recherche. Vous tapez Aptoid. Vous cliquez sur le premier. Donc, comme c'est écrit dans le titre, c'est Android et App Store. Vous cliquez sur installer maintenant. Et on se retrouve plus tard quand ce sera fini. Donc voilà, c'est fini. Enfin, moi je l'avais déjà, donc j'ai pas eu besoin d'attendre. Vous retournez sur votre menu et vous cliquez sur application Aptoid. Évidemment. Et voilà, il n'y a aucune application ou jeu. Payant. Vous recherchez par exemple un jeu payant. Moi je vais rechercher. Vous recherchez une application ou un jeu payant, mais sur le Play Store, et vous écrivez le titre de la barre de recherche. Moi, je vais écrire Viva Video Pro. Rechercher. Vous cliquez sur votre résultat. Moi, comme je l'ai déjà, donc ça me fait ça. Attention, là, exactement. Ils disent qu'il y a 5 virus. Ça dépend, des fois il y a des virus, des fois il y a des vrais virus, des fois non. Donc faites attention pour votre téléphone ou quoi. J'ai l'appareil, ça veut dire que ça fait bugger. Mais non, ça c'est juste des gens qui savent pas utiliser. Il y en a qui disent que c'est faux, 5 faux. Alors que c'est pas du tout vrai, c'est la vraie application Viva Video Pro. Je l'ai Pro Edition. Mais c'est une nuance. Et 64 des personnes qui ont noté cette application trouvent ça bon. Ben voilà, la preuve. Donc voilà. Et sur le côté de votre application, quand vous recherchez, vous cliquez sur le résultat, il y a écrit sur, donc c'est sûr, c'est bon, c'est la bonne application. Vous cliquez sur installer, et ensuite, enfin moi je vais le désinstaller et je vais réinstaller. Désinstaller, juste pour vous faire le tuto. Désinstaller. On réinstalle. Installation bloquée. Donc ça va faire la même chose dans toutes les applications. Vous cliquez sur paramètres. Vous allez sur source inconnue. Vous cliquez sur appuie-case et vous cliquez OK. Vous descendez. Vous cliquez installer. Voilà, normalement ça devrait se faire. Donc on se retrouve une fois le résultat fini. Vous cliquez sur ouvrir si vous voulez l'ouvrir tout de suite. Ou sinon vous repartez dans le menu. Et normalement vous avez votre application. Et la voilà. C'est la fin de ce petit tuto sur comment avoir une application ou jeu gratuit sur Android. N'hésitez pas à liker.
partager un max cette vidéo. Lâchez un très grand commentaire et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.